Bonjour, 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 bienvenue sur la chaîne de la Terma. Je suis la Terma, une passionnée de cosmétiques et de beauté et j'adore tout ce qui est naturel. Je suis remplie de verdure, je suis à Abidjan pour quelques jours encore. Ça fait presque 2 semaines que j'y suis et j'ai rencontré des personnes merveilleuses et des personnes fabuleuses. Je vous ai fait partager sur ma page Facebook et aussi sur ma chaîne YouTube toutes mes rencontres avec ces charmantes jeunes femmes-là. Aujourd'hui, nous allons parler d'une femme extraordinaire, une femme que j'ai rencontrée toujours à Abidjan, qui a pris rendez-vous avec moi et qui nous raconte son histoire. Sa couleur de peau, son type de carnation, sa douceur m'ont fait craquer. Je pense que c'est mon coup de cœur à Abidjan. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas eu d'autres coups de cœur, mais je pense que c'est mon coup de cœur. Je vous laisse écouter cette Mama Africa. Et je vous reviens. Si elle vous dit son âge, vous allez refuser. Je vais la laisser parler et je vais la laisser sensibiliser toutes les jeunes filles. C'est une maman. Comme vous la voyez là, comme ça, là, c'est une maman. Elle est magnifique. Donc, je vous laisse l'écouter. Vas-y, à toi. Bonsoir, les belles dames. Bon, juste vous dire à toutes les dames que vous êtes belles et que de garder votre peau. Le teint noir, c'est la plus belle peau que Dieu nous ait donnée. Bon, je suis une jeune dame. Je n'aime pas trop dire mon âge. Hein. Je me dis toujours la femme n'a pas d'âge, mais j'approche la cinquantaine. Donc, je suis venue voir la Terma pour qu'elle m'aide à garder cette beauté-là, ce beau teint noir que Dieu nous a donné. C'est mon coucou du soir, je vous embrasse. Alors, elle est magnifique, je vais me lever. Il y a même trop de lumière, on ne voit pas sa couleur foncée là, mais elle est, regardez comment elle est belle. Quand elle m'a donné son âge, j'ai dit c'est pas possible. J'ai dit non, 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 non. Moi, je lui ai donné 30 ans, 35 ans. Et non, elle approche la cinquantaine à 2 années près. À 1 an près, c'est ça, non? Comme tu ne veux pas donner. Moi, je donne mon âge. Moi, je... Puisque c'est avec mon âge que je mène le combat. Donc, elle est à 1 an de la cinquantaine, c'est ça? Ou 2 ans de la cinquantaine? Oui, 2 ans. Voilà, elle est magnifique. Tu as combien d'enfants? Un. Un enfant. Elle est tellement belle. La peau, elle est... Là, je trouve qu'on ne voit pas bien sa peau. Elle a une peau bien noire. Regardez, aucune imperfection, rien. Même si on a vu des taches sous-jacentes, on lui a juste dit de prendre. Et elle ne prend pas soin de sa peau. C'est là où je l'ai grondée. Je lui ai dit non, il faut que tu prennes soin de ta peau. Parce qu'à l'approche de mon âge là, tu risques d'avoir trop de taches. Il faut faire attention. Donc elle est décidée, n'est-ce pas? Oui. Voilà, je n'ai pas entendu. Oui. Voilà. Allez, bisous, papa. Bisous, bisous. Mama, regardez la mama. Elle me tue, elle est belle. La vraie merci. Femme africaine. Merci, merci. La beauté africaine. Merci. Aïe, aïe, aïe. J'aime bien. J'aime voir des femmes comme ça qui ont gardé leur cou. Merci. Qui ont gardé leur cou. Il n'y a rien de tel. Hein? La teinte noire, il n'y a rien de tel. L'année 2. Je dis, il n'y a rien de tel que oui, la peau noire. Oui, c'est beau. C'est la meilleure peau, couleur de peau. C'est la meilleure couleur bien de peau. Sûr. Bien sûr. Bien sûr. Tu sais que la peau claire, la peau claire est très fragile. Hein? Très, très. Quand elles vieillissent, là, elles sont pas... Alors que la femme noire, malgré l'âge, la peau encore ferme. La peau est... Bien sûr. Bien sûr. Tu vois, les stars blanches, là, quand elles vieillissent... Voilà. Donc, quand on leur dit ça, ils croient que non. Il faut garder votre oui, couleur de peau, vraiment. Merci beaucoup, la Terma. De rien. Au plaisir de Au se plaisir. Revoir. OK, bye-bye. Bye. La mama. Et notre mama noirata. Ça sent comment? Le taxi est déjà là? Oui, normalement. Hein. Ils ont dit combien de temps? C'est bien ça. Mais si tu apparais dans la localisation, normalement... C'est lui-même qui m'a appelé. Ah, il t'a encore appelé là? Oui. Ah, d'accord. C'est lui-même qui m'a appelé. Il a été le premier à m'appeler. Commandance. Commandance, ça, non. C'est lui là-bas. Il a dit combien de minutes? Oui, allô? Oui, vous êtes où?
Tu seras là dans combien de temps? D'accord, ok. Non, je t'attends. Combien de temps? 3 minutes. Ah, mais ça va. Ok. Merci, maman. De rien. Ok, portez-vous bien. Toi aussi. Au plaisir. Au plaisir, la maman. Ah, fais-moi un petit coucou alors. Bye. 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 Vous l'avez vu, elle est magnifique, elle est belle, elle est... Moi, j'ai craqué. Mais il faut la voir en vrai, en fait. Parce qu'avec la caméra, la luminosité change la carnation, en fait. Elle a une peau, elle est encore plus foncée que moi. Elle a une peau magnifique. Elle est... C'est un petit rayon de soleil. Moi, j'ai craqué, voilà. J'ai craqué pour cette maman. J'ai craqué pour son authenticité. J'ai craqué... pour ses paroles, hein, pour le fait qu'elle ait gardé sa couleur de peau très foncée dans un pays qui fait partie des 3 pays africains où les femmes se dépigmentent le plus. Et oui, la Côte d'Ivoire fait partie des top 3 des pays en Afrique où les femmes utilisent le plus de produits éclaircissants. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et surtout, n'hésitez pas à laisser des commentaires et à encourager toutes ces femmes qui acceptent de témoigner à visage découvert. Ce n'est pas toujours évident, sachant que certaines vidéos vont passer partout, partout, partout. Je vous embrasse. Je suis encore à Abidjan pour quelques jours. Et après, ce sera la fin. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.